encore une fois dans l'émission Corps Docteur. La Zodi, destination côte Monsieur Laval. Monsieur Laval vous fait nous découvrir Carbon Cleaning Service. C'est quoi ça? Ben, suivez-moi tout de suite dans le zone Monsieur Laval. Ok? Allez! Monsieur Laval, tu connais quand il était assez là. Bon, je suis connu, merci beaucoup bien qu'il y a nous ici dans le garage. Merci pour la présence, ton Simon. Moi, je m'appelle Laval Chan Cheng Xing. Notre compagnie, c'est Chan Cheng Xing Company Limited. Nous sommes formés depuis 1993. Nous avons introduit beaucoup de nouveaux kits, mais les derniers trois ans, là, c'est-à-dire depuis 2017, nous avons introduit une dernière technologie qui trouvait dans le monde entier, qui nous appelle ça Carbon Cleaning Services. Justement, mais c'est quoi Carbon Cleaning Services et qui fait nous besoin de faire ça dans nos machines? Carbon, c'est sel solide qui, quand ou roule ou l'auteur, pour produire. Gaz, léger. Ou il y a un moteur, ou il y a un catalyseur qui est un filtre. Et après, ou il y a un tuyau de sa mort, gaz, il passe à travers, il y a aller. Mais carbone, c'est un solide. Qu'il y fait? Quand il vous dépose, il est lourd. Il pose au bas de la pièce de récence qui est là. Réfléchis à ce là. Quand tu as le teneuf, qui tu peux dire? Regardez. Ou une attirase. Une attirase. Une attirase. Ou son moteur stable. Ou le moteur respire bien. Mais quand on peut rouler à peu près un certain kilomètre, 100, 1000 km, 2000 km, 3000 km, jusqu'à 10 000, 20 000, tout ça là. Est-ce qu'il ne peut pas trouver changement? Ah, c'est là, sans un petit peu, ouais, ouais. Il peut y avoir un petit ras, comment dire. Ou rouler le deux neuf. Avec un litre d'essence, ou couvrir une certaine quantité de kilométrage. C'est-à-dire, moi, mon chien, pas faire servicing de l'huile. Je change de l'huile, je file de l'huile. Mais même ça aussi, je vais manquer que ce kilométrage peut diminuer. Sa technologie qui nous peut servir là, c'est la dernière technologie. Mais, mis à prendre conscience que carbone, depuis que le deux existait, depuis qu'il y a un produit à l'auteur, qui a toujours ce problème carbone là. Mais monsieur Laval, mais comment il passe ça à Carbon Cleaning Service? Comment vous procédez ça? Ben, toute cette explication qu'il m'a donné là, à celle-là, il est bon qu'il nous capable de venir nous venir montrer où il a fait ça. Alors là, ça qui m'a tué envie, monsieur Laval. Sa machine là, on appelle ça HHO Carbon Cleaner Machine. Ça, c'est un Carbon Cleaning Agent. Ça veut dire qu'il mange ensemble avec sa machine là? C'est ça. Qui fait qu'il mange ensemble? Parce qu'avec sa cleaning agent et sa machine, là, il fait un double travail. Ça n'a pas dit qu'il aide pour enlever sa carbone. Là. Et c'est ça qui fait l'important travail. Sa technologie là, ensemble, la main dans la main, qui peut faire? Pour faire un meilleur service pour vous. Mais là, Michel, il n'y a pas de place pour vous mettre sa machine là, là. Mais qui côté exactement? C'est juste là, tu sais, qui est pour ouvrir ça là. Et vous pouvez faire vous-même. Allez, ok. Juste log ça ici. Juste log là. Pour gagner ça et intégrer là, libre. Aïe. Comment vous remarquez? C'est ce qu'on appelle air intake pour un diesel, une machine diesel. Exactement. Machine diesel, nous servons ça ici. Pour une machine d'essence, nous prenons l'icône de ce, on appelle ça cerveau, un brake booster, nous avons pour connecter l'île là. Et nous ne tient pas ici, nous ne tient pas ici. Bien sûr, pour ça c'est pour l'essence. Mm-hmm. Tout ça qu'il y a pour nous faire après, pour ça là, vous mettez mon moteur, vous mettez mon moteur là en bosse, on est dans la plaque ça là. Et dans les plaques là, là ça aspiration moteur pour faire les blocs là. Là. Il risque derrière. Il risque parce que c'est au moteur qui peut aspirer là. Moi, mon machine, papa, vous voyez, c'est au moteur qui aspire. Et qui peut aspirer? Deux gaz, comme on a dit, hydrogène, oxygène. Et sa cleaning agent qui vous passe dans sa tuyau là, là. Qui vous rentre, qui vous dit à celle-là, il peut passer que de ce clapé intake, là au piston, et il peut faire exhaust clapé, il y a allé jusqu'à ce catalyseur, ce DPR, jusqu'à ce tuyau décemment derrière. Allez, ben nous, c'est lui, nous, qui est un petit coup.
tous les cas, Monsieur Laval, merci beaucoup. Nous avons beaucoup à faire. Et justement, pour terminer, qui est le point, qui est l'avantage qui nous capable de retenir avec sa Carbon Cleaning Service là? Quand on opère tout, nous mettons au catalyseur au tuyau d'échappement. Peine à en carbone comme un lot neuf. Ou tous accélération, les gains et tirages qui besoin. Ou mettez pour respirer bien. Et le temps qu'il respire bien, il n'est pas pour vibrer. Et quand il n'est pas vibré, qui vous sentez? Ou le tour pour rouler bien. Plus l'eau là, ou peut rouler, tu sais, ou peut gagner un tirage, ou peut arrêter de consommer plus beaucoup de fuel. Quand on arrête de consommer plus beaucoup de fuel, on arrête de produire carbone. Quand on arrête de produire carbone, sa quantité là, on ne peut pas dire qu'il pas pour produire carbone là. Ou pour produire minimum carbone, et qui s'assert, qui appelle catalyser, ce DPF là qui peut bloquer sa banque carbone là. Qui vous fait exactement? Ou vous protège l'environnement? Parce qu'il fait carbone, pas pour sortir là. Tous les gars, Monsieur Laval, merci beaucoup. Ce service-là, voilà, il permet de nous faire l'économie, protège l'environnement. Merci, Monsieur Laval. Donc, Simon, bien content qu'il soit là. Et vous venez apprendre un peu plus. À la Lila, merci. J'espère que vous venez apprendre un peu plus. À la Lila, si vous venez apprendre un peu plus, Monsieur Laval. Et à ce moment-là, vous venez de ça, aussi, vous venez de connaître qui vous avez fait. Donc, bien content, oui. Bon, allez, merci pour l'accueil, merci pour la gentillesse, merci pour le suivi. Allez, merci beaucoup, même temps, Simon. Thanks.